Good job. Ông nhầm ra các bạn to, các nhầm ra ca này tệ bị thì, xã mạng ca. Xong, phút vị tí ca từ nằm nàng xã bệnh nhà, hoàn trại chiết, nằm bệnh bản to, cả bằng hai nhà ấy cái xa, để khuôn mềm bằng nó đại cho vụ mộc ông nhầm ra. Xong chơi. Merci, Monsieur le Président. J'en viens à mon cinquième document. Il s'agit du document E3-10 qui porte aussi la référence D243-2.1.7. Un exemplaire de l'étendard révolutionnaire de septembre à octobre 1976. Et il semble bien que le premier article constitue un discours probablement de Pol Pot à l'occasion du 16e anniversaire de ce qui était appelé à l'époque la grandiose victoire de la naissance du Parti communiste du Cambodge. Dans ce discours, prononcé chaque année, on retrouve les thèmes qui sont chers au parti, similaires à ceux qui ont déjà été présentés dans le discours qui a suivi l'année suivante. Cependant, il y a deux thèmes que je voudrais souligner, deux questions qui sont approfondies dans ce discours. C'est celui de la fermeture des marchés en 1972, et celui de l'année de création du parti également. Alors tout d'abord, le discours précise, à la suite de la décision du comité central du 30 mars 1976, dont on a déjà discuté, quelle est l'année de création du parti. C'est à la page 0049-1872 en français. En anglais, 0045-0505. Et en khmer, 0006-3063-64. Je cite. L'année dernière, le 30 septembre 1975, j'ai affirmé devant l'Assemblée que le parti avait atteint l'âge de 24 ans. Maintenant, voilà qu'on dit que c'est plutôt le 16e anniversaire. On a l'impression que nous sommes en train d'établir un nouvel acte de naissance de notre parti. Quelle en est la raison de tout cela? En 1951, nous avons mis sur pied une organisation provisoire dont la mission était de créer un parti. Nous n'avions pas encore de statut, pas encore de ligne stratégique, pas encore de ligne tactique qui nous appartenait en propre. De ce fait, nous ne pouvions pas affirmer qu'il s'agissait d'un parti révolutionnaire de notre population. En effet, c'était juste une simple association. Il fallait définir des statuts. Il fallait élaborer une ligne stratégique et une ligne tactique pour la révolution populaire et la révolution démocratique à la fois. Une fois que tous ces documents fondamentaux ont été rédigés, il fallait qu'ils soient adoptés par l'Assemblée générale du parti à l'échelon national. Et le 30 septembre 1960, nous avons organisé une première Assemblée générale du parti au niveau national. Fin de citation. Et voilà donc toute l'explication donnée par Pol Pot lui-même. Quant à la suppression des marchés, à la page 0049-1878-79 en anglais 0045-05-10-11, et en khmer 00-06-30-72. Donc il est dit concernant cette suppression des marchés, je cite, en 1971, nous avons fait la révolution populaire et démocratique, cependant, les capitalistes, les propriétaires terriens avaient complètement pris là en main tous les moyens de production. En 1972, le parti a constaté l'existence de cette situation
et a décidé de supprimer les marchés dans les régions libérées. La suppression des marchés n'a pas été un problème négligeable. Ce fut un phénomène révolutionnaire d'une importance fondamentale qui a touché le fondement même de l'économie capitaliste et féodale, tout simplement. Nous n'avons pas utilisé une force militaire pour aller exécuter des gens. Nous avons pris en main des produits essentiels. Une fois que nous avons pris en main ces produits stratégiques, nous avons alors réussi à maîtriser stratégiquement les moyens de production en entier. Et nous n'avons pas permis l'entrée ou la sortie d'autres produits dans l'univers des régions libérées. De ce fait, pendant un laps de temps, sur les marchés, il n'y avait absolument plus rien à vendre. En 1973, nous avons constaté qu'il fallait bien organiser les coopératives afin de pouvoir avoir en main les moyens de production. À la moitié de 1973, le parti a décidé de généraliser le système des coopératives dans le pays tout entier. Et concrètement, les coopératives portaient en elles la nature du socialisme et de la révolution socialiste. L'instauration des coopératives correspondait à l'instauration du collectivisme à la campagne. Toujours dans ce même étendard révolutionnaire, dans un deuxième article qui s'appelle « Aiguiser l'idéologie de la classe prolétarienne pour qu'elle soit la plus pointue et la plus puissante qui soit ». Cet article parle de la justification de l'évacuation des villes et il est un peu plus clair également. À nouveau, il n'est pas question d'évacuation pour des raisons de manque de nourriture, de bombardement à prévoir, mais les questions de lutte des classes. Nous avons vu que c'est une question centrale dans la rhétorique et l'idéologie du parti. À la page 00489897 en français, en anglais 00450531, et en Khmer 00-06-06-3095. Je cite, « En ce qui nous concerne, est-ce que nous avons fait la lutte des classes ?» Effectivement, nous avons fait la lutte des classes. Nous avons déporté la population des villes. Ce faisant, nous avons fait la lutte des classes. Nous avons consolidé et développé les coopératives. Cette politique fait partie de la lutte des classes qui a pour but d'attaquer et de disperser les forces des capitalistes et les forces des féodaux. Fin de citation. Je conclurai l'analyse de cet article en citant un dernier passage. À la page 00491902 en français, en anglais 00450535 et en Khmer 00063101. Je cite, si l'on n'avait pas créé le système des coopératives, on n'aurait certainement pas pu faire la révolution populaire démocratique. Cependant, certains éléments n'ont pas accepté cette nouvelle situation. Les ennemis s'attaquent aux coopératives dans le but de les anéantir. Il faut mettre en pratique les groupes d'entraide pour que les marchés ne puissent pas renaître. S'il n'y avait pas de coopérative, la vraie nature de la révolution n'existerait plus. La vraie nature de l'impérialisme reviendrait. Le révisionnisme reviendrait. S'il y avait des marchés, des villes, il y aurait de la pagaille et nous deviendrions les valets des autres. Fin de citation. Et vous avez noté
Le mot ville dans ce passage, un passage qui justifie l'évacuation des villes, tant avant 75, tant avril 75, d'un point de vue idéologique et doctrinaire. Je passe au document suivant. Il s'agit du document E3-146. Et qui porte la référence D175-6.2. Il s'agit cette fois d'un document qui date d'une période qui précède la prise de Phnom Penh. Il s'agit d'un exemplaire de la jeunesse révolutionnaire d'août à septembre 1974. Cet exemplaire était manuscrit. Il comporte 5 articles. Je ne vais parler que des articles 3 et 4. Le troisième article est intitulé « Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique ». Cet article est d'importance centrale parce qu'il décrit la division conceptuelle et détaillée de la société cambodgienne avant 1975, en 5 classes sociales. En français, 00-61-18-10 jusqu'à la page 00-61-18-16. En anglais, 00-53-87-46 jusqu'à la page 5-1. En Khmer, 00-28-34-09 jusqu'à la page 1-5. On retrouve donc dans cet article 2-74 la description des 5 classes sociales que Pol Pot avait décrites plus tard dans son discours de septembre 1977 pour le 17e anniversaire de la création du PCK, dont on a déjà parlé. Dans cet article, vous allez trouver les 5 classes sociales minutieusement définies dans toutes leurs sous-catégories. Elles sont les suivantes. Première catégorie, la classe féodale, ce qui comprend le féodalisme aristocratique et le féodalisme terrien. Deuxièmement, la classe capitaliste, qui comprend le capitalisme comprador et le capitalisme national. Troisièmement, la classe petite bourgeoise, elle-même subdivisée en 3 couches, niveau supérieur, moyen, inférieur. Et dans cette classe, une distinction est faite entre les petits bourgeois intellectuels et les petits bourgeois, petits commerçants. La classe des agriculteurs ou paysans comprend, quatrièmement, les agriculteurs riches, les agriculteurs moyens et les agriculteurs pauvres. Et enfin, la classe des ouvriers comprend les ouvriers concentrés dans les usines, qui sont qualifiés des meilleurs ouvriers, et ensuite les ouvriers à moitié concentrés, comme dans les ports ou dans les plantations d'EVA, et enfin les petits ouvriers, tels que les ouvriers de remorque, les ouvriers de cyclopousse, les ouvriers de construction. Et vous vous souviendrez, par exemple, que les coopératives ont été créées et basées sur la classe des agriculteurs pauvres ou des agriculteurs moyens inférieurs, et que par ailleurs le parti a toujours dit qu'il se fondait sur les classes des paysans, des agriculteurs et des ouvriers. Le quatrième article de cette publication est intitulé « Les jeunes femmes du front arrière sont déterminées à réaliser à 200% leur travail de production ». Cet article décrit la situation des jeunes femmes cambodgiennes avant et après leur libération dans les zones libérées. Donc on est toujours avant le 17 avril 1975. Et l'article dit ceci à la page 24 en français, la page 22 en anglais et la page 00-28-34-18 en khmer. Je cite.
Après la libération, les jeunes femmes cambodgiennes, grâce à l'éducation que le Parti communiste du Kampuchea a propagée pour les entretenir en permanence, aussi bien sur le plan de la position politique, idéologique et sur le plan du commandement révolutionnaire, elles ont acquis une conscience politique révolutionnaire très élevée et elles souffrent terriblement et elles sont enragées par rapport à leur position inférieure, à leur propre ignorance qu'elles portaient avant la libération. Elles ont gardé en elles une rancune inoubliable par rapport à l'oppression, par rapport au mépris et à la dépréciation manifestée à leur égard par les colonialistes, les impérialistes, les féodaux et les capitalistes. Elles sont déterminées à écraser en retour ces gens, à la fois leur classe, leur régime, leur idéologie, pour qu'ils soient pulvérisés et expulsés complètement hors du Kampuchea à tout prix. Fin de citation. L'article établit donc un lien très fort entre, d'une part, l'éducation que le Parti communiste du Kampuchea a propagée, et d'autre part, la détermination de ces jeunes femmes à écraser en retour ces gens, à la fois leur classe, leur régime, leur idéologie, pour qu'ils soient pulvérisés et expulsés complètement hors du Kampuchea à tout prix. Ce faisant, selon notre point de vue, l'article tend à indiquer que l'éducation politique du PCK, dont Nguyen Chia se proclame responsable devant ce tribunal, avait notamment pour objectif l'élimination des membres de certaines classes sociales. Le document suivant est un document D366/7.1.54. Il s'agit d'une publication du parti qui s'intitule « Étude succincte de l'histoire du mouvement révolutionnaire du Kampuchea sous la direction du Parti communiste du Kampuchea ». Il n'est pas daté, mais nous pensons qu'il s'agit d'une publication qui a été faite sous le régime du Kampuchea démocratique ou dans les mois ou années qui ont précédé. Encore une fois, cette publication du parti revient sur certains des thèmes favoris de la propagande de la direction du parti de l'époque, à savoir tout d'abord les conflits inconciliables et les antagonismes de vie et de mort. Cette logique conflictuelle vis-à-vis d'ennemis réels ou supposés, mais qui sont omniprésents dans toutes les publications, ne pouvait, à notre avis, mener plus tard, conformément à cette ligne du parti, qu'à l'élimination de ses ennemis par différents moyens. Sous le chapitre 2, à propos de la révolution nationale et démocratique, à la page en français 00721067, en anglais 00761695, et en khmer 00442559, et la page suivante. Il est dit ceci, je cite, « Il faut identifier les conflits inconciliables, les antagonismes de vie et de mort. Il faut les identifier à tout prix. Cette analyse est un problème compliqué dans l'histoire de notre parti. Ce n'est pas facile de les identifier. Dans notre pays, on a analysé et on a constaté que les féodaux et les propriétaires terriens représentent un conflit inconciliable. À l'extérieur, ce sont les impérialistes. À l'intérieur du parti, un certain nombre de gens disent que ce n'est pas vrai. Ainsi, le méprisable Siv, S-I-V, il a dit
qu'il n'y a pas de lutte des classes et que c'est à nous pour diriger. Et l'article en conclut, par conséquent, dans notre rang, il y a d'évidence une opposition à la révolution nationale et démocratique. Il y a aussi le méprisable IA et d'autres encore. Ils sont hostiles à notre analyse des antagonismes. Fin de citation. Alors on le voit, contrairement à ce qu'a dit Nunchi à l'audience, c'est à nous qui était bien perçu comme appartenant à une classe d'oppresseurs. Il appartenait cependant à une force tactique avec qui le parti avait intérêt à s'allier, en tout cas provisoirement. Sur le même thème, à la page 0072-1071 en français. En anglais, 0071-65-99 jusqu'à 0071-6600 et en khmer, 0044-25-69. Il est dit ceci, je cite, on a anéanti les anciens rapports de production, le régime collectiviste est de plus en plus solide et de plus en plus développé, l'argent, on ne l'utilise pas. Là, on a réglé les grands conflits de façon fondamentale, le conflit entre la ville et la campagne, on l'a réglé de façon fondamentale. Fin de citation. Et avant de céder la parole à mon collègue, j'ai encore deux documents à vous présenter. Le premier porte la référence D243-2.1.19, un numéro de l'étendard révolutionnaire de septembre 1978. Comme chaque année, il s'agit d'un discours prononcé par Pol Pot le 30 septembre, cette fois-ci à l'occasion du 18e anniversaire de la naissance du parti. Dans ce nouveau discours fleuve, les thématiques abordées présentent, bien entendu, toujours les mêmes obsessions, les mêmes similitudes avec les discours précédents, mais aussi quelques nouveautés, et notamment en ce qui concerne la question vietnamienne. Il semble que la perception de Pol Pot et du parti sur sa propre histoire ait pu évoluer, parce que l'ennemi vietnamien est maintenant cité sans arrêt dans ce discours comme un ennemi fondamental du PCK depuis des années ou des décennies. Ce qui, en tout cas par rapport aux autres discours précédents, est nouveau. Alors peut-être, aujourd'hui ou demain, Nunchia souhaitera réagir à ce constat après que certains passages aient été lus. Pourquoi l'ennemi vietnamien était-il absent des discours historiques précédents de Pol Pot? Ou alors pourquoi n'était-il qu'évoqué indirectement? Pourquoi tout d'un coup est-il aussi présent dans ce discours de septembre 1978? Est-ce que l'intensification de la guerre avec le Vietnam et de la menace peut expliquer ceci à elle seule? Premier exemple du changement de ton dans ce discours à l'égard des Vietnamiens, à la page 0052-4069 en anglais 0048-8619 et en khmer 00-0045-92. De 1973 jusqu'en 1975, notre peuple s'est battu contre l'impérialisme américain et leurs valets sur le seul champ de bataille du Kampuchea. À l'extérieur, les impérialistes américains, comme vietnamiens, et dans la version anglaise, le mot « yun » est utilisé, contrairement à la version française. Donc à l'extérieur, les impérialistes américains, comme vietnamiens, ont rameuté leurs partisans du monde entier
pour nous forcer à négocier et à arrêter la guerre. À l'intérieur du pays, nous devions nous battre à la fois contre les impérialistes américains, contre le méprisable Thieu, T-H-I-E-U, contre les hommes du méprisable Nol, et enfin contre les Vietnamiens, qui ont les ruses les plus toxiques qui soient, et qui avaient bien l'intention secrète de nous assassiner par derrière, et cela pour pouvoir ensuite avaler notre territoire. Fin citation. Et plus loin, il poursuit, je cite, « Si nous avions arrêté de faire la guerre, comme le voulaient les Russes, les ennemis américains et vietnamiens, dès l'année 1973, nous aurions échoué gravement, et notamment nous aurions été asservis par les Yuan au point de faire disparaître la race cambodgienne. » À un autre endroit dans ce même discours, il parle plus spécifiquement de la race Khmer. Alors plus loin dans ce même discours, voilà que surgit dans la bouche de Pol Pot le même argumentaire que celui qui a été entendu depuis le début de ce procès dans le chef de l'accusé Nguyen Chia. À la page 00524072 en français, 00488621 en anglais, et 00064595 en khmer. En ce qui concerne les Vietnamiens, je cite donc, ils rêvaient de s'emparer du Cambodge démocratique depuis l'année 1930, conformément à leur stratégie de fédération indo-chinoise et à la politique de un seul pays, une seule population, sous la direction d'un seul parti. Quant aux expansionnistes internationaux soviétiques, ils avaient leur stratégie universelle et voulaient s'emparer de l'Asie du Sud-Est tout entière. Une bonne partie du reste du discours est donc centrée sur le conflit avec le Vietnam qui dure depuis des années et sur les visées expansionnistes de l'Union soviétique. Enfin, j'en viens à un dernier document en ce qui me concerne. Ce sont les statuts du Parti communiste du Cambodge. Nous avons deux versions identiques au dossier. La version IS 9.1 qui porte le numéro aussi E3-028. Et la version D366-7.1.187, aussi référencé E3-130. Le 6 décembre 2011, l'accusé Nguyen Chia a été interrogé par le juge Cartwright concernant ses statuts, et notamment sur la question de savoir si les statuts de janvier 1976 étaient identiques par rapport à ceux qui avaient été adoptés par le Congrès de 1960. L'accusé a répondu que ne se souvenait plus exactement du moment de leur adoption, mais que les statuts comprenaient 30 articles. Alors il apparaît à la lecture du document que l'introduction de ces statuts a bien été ajoutée après le 17 avril 1975, mais on notera que les statuts qui figurent au dossier comportent bien 30 articles, comme l'a spécifié Nguyen Chia. Tout lieu de penser que le contenu de ces 30 articles n'a qu'assez peu évolué depuis les années 60, ou à tout le moins depuis le début des années 70, lorsque le changement du nom du parti a été entériné officiellement. C'est la raison pour laquelle nous pensons que malgré leur date, ces statuts présentent un grand intérêt pour la section du contexte historique, en tout cas pour ce qui concerne certaines sections de ces statuts. Dans l'introduction qui consacre les principes
et la ligne politique fondamentale du parti. Dans la nouvelle période, la nouvelle ère, d'après 1975, on retrouve de nombreux fondements qui ont été énoncés précédemment dans d'autres documents ce matin et donc dans des publications diffusées avant le 17 avril 1975. Il y a donc continuité dans les termes et dans les thèmes. Donc au point 4 de cette introduction, il est dit notamment le parti considère le marxisme-léninisme comme fondement de sa vision, comme boussole de toutes ses actions. Et mon collègue vous présentera un document qui parle de ces concepts marxistes-léninistes, un document de 1974 qui porte la référence D366-7.1.133. Toujours au point 4 de cette introduction, je cite, le parti lutte absolument contre la vision et l'autocritique non prolétarienne, s'oppose à la révolution des petits bourgeois, des capitalistes, des féodaux, des impérialistes et des réactionnaires. Fin de citation. Et l'on retrouve ici le thème favori de la lutte des classes et des ennemis que nous avons déjà évoqué précédemment. Au point 6 de cette introduction, il est dit, je cite, « Le parti a été créé suivant le principe du centralisme démocratique. » Fin de citation. Et vous vous souviendrez que Nunchia nous a expliqué ce que cela signifiait, ce principe du centralisme démocratique. Un principe qu'il a admis avoir été adopté dès le premier congrès du parti, le 30 septembre 1960. On retrouve ce principe à l'article 6 des statuts, justement. Quand on lit les 30 articles eux-mêmes en dehors de l'introduction, ils présentent un intérêt certain également, parce que ces articles confirment le contenu des discours des dirigeants de PCK et des publications du parti avant la prise de Phnom Penh, ou les discours prononcés après la prise de Phnom Penh, mais relatifs à l'histoire du parti. Je ne vais pas être long, mais parmi les principes exécutifs du parti, à l'article 6, l'on retrouve ce qui suit. Et si vous le permettez, j'utiliserai non pas le mot « classe », comme dans la version française, mais plutôt le mot « échelon » qui est utilisé dans la version anglaise du document. Je cite, « La minorité respecte la majorité. La classe, ou plutôt l'échelon, donc inférieur, respecte l'échelon supérieur. L'individu respecte la collectivité. Le privé respecte l'encart. Les encarts de différents échelons respectent l'encart central. » Fin de citation. Voilà un des principes fondamentaux de ce régime. Au point 5 de cet article 6 des statuts, il est dit, je cite, « Pour chaque décision du parti, les échelons inférieurs doivent rapporter aux échelons supérieurs sur la situation et la performance de leurs propres tâches. » Fin de citation. Et mon collègue, dans un instant, vous parlera notamment du document D366-7.1.229. Une publication du parti qui s'appelle l'étendard révolutionnaire, numéro spécial, daté de septembre à octobre 1972 et publié en décembre 1972, donc bien avant l'adoption de la dernière mouture des statuts. Or, cet article parle exactement de cette diffusion des instructions
par les échelons supérieurs et des obligations des échelons inférieurs de faire rapport à l'échelon immédiatement supérieur. Alors, je pourrais multiplier les exemples encore, mais je vais en rester là concernant les statuts du PCK et qui, pour le reste, détaillent essentiellement la structure administrative du PCK, en ce compris les rôles et devoirs de l'Assemblée générale, ou également appelé Congrès, du Comité central, des comités de zone, ou de l'armée révolutionnaire du Cambodge. Je soulignerai simplement que cette structure était déjà en place avant la crise de Phnom Penh, ce qui démontre encore une fois de plus une réelle continuité entre la période qui a précédé la crise de Phnom Penh et celle qui a commencé ce jour-là. Je voudrais maintenant céder la parole à mon collègue qui a trois autres documents à vous présenter. Ce matin, nous espérons pouvoir terminer ce matin et compenser le retard que nous avons pris en début d'audience. Je vous remercie. ក្នុងអត្ថបទនេះក៏បានលើកឡើង
ពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតមាននៅក្នុងតំបន់ដែលបានរំដោះអត្ថបទក៏បានបង្ហាញពីភាសាដែលគេមិនបានជួបមិនដែលបានប្រើនៅមុនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1976ក៏ប៉ុន្តែភាសាទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើក្រោយពេលរបបភ្នំពេញបានដួលរំលំ នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដោយយើងបានដឹងហើយថាឯកសារនេះបានដាក់ការបរិច្ឆេទនៅមុនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍គឺត្រង់ចំណងជើងនៃអត្ថបទតែម្ដងដែលបង្ហាញពីមនោគមវិជ្ជារបស់បកដែលបង្ហាញពីគោលការណ៍មួយចំនួន តាមបែបទស្សនៈម៉ាក់លេនីនគូចំហបកគឺបានណែនាំយ៉ាងច្បាស់អំពីទស្សនៈស្ដីពីសត្រូវស្ដីពីគោលនយោបាយនៃការបោះសម្អាតខ្មាំងដែលបកបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយក្នុងឯកសារនោះក៏បានចេញផ្សាយហើយក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីគោលការណ៍ មានការតាមដានត្រួតពិនិត្យដល់ប្រជាជននិងក៏បានបញ្ជាក់អំពីទួនាទីដ៏សំខាន់របស់សហគមន៍ផងដែរលោកសរសេរចក្រមលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជាបន្តទៅនេះបង្ហាញជូនលោកចក្រមអំពីបញ្ហាតូចតូចមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងចំណងជើងតូចនៅក្នុងអត្ថបទ ដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់ដើម្បីបង្ហាញជូនអង្គសម្ដែងការនៅពេលនេះដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដែលបានលើកឡើងដោយខ្ញុំបាទអំបញ្ញមិញនេះចំពោះចំណងជើងតូចនៅក្នុងអត្ថបទលេខ1ចុច2ស្ដីពីចំណងជើងដែលបានបញ្ជាក់ថាសមរភូមិក្រោយជាឥទ្ធិពលទៅខាងសមរភូមិមុខយ៉ាងណា ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីអានអត្ថបទនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនអង្គសាវនាការនៅពេលនេះដែលជាអត្ថបទសរសេរជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងឯកសារ D366/7.1.133 ខ្ញុំសូមអាន EON ជាភាសាខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាបារាំងដើម្បីជូនភាគីឲ្យបានជាច្បាស់ពីបញ្ហានេះ ជាភាសាបារាំង 0 0 0 72 51 74 PON ជាភាសាអង់គ្លេស 0 0 69 93 18 ចំពោះ EON ជាភាសាខ្មែរ 0 0 43 28 73 លោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអាននៅខំសារដែលដកស្រង់ចំពោះចំណុចនេះដូចតទៅនេះជាភាសាខ្មែរដែលខ្ញុំដកស្រង់ទាំងស្រុងតែម្ដងសមរភូមិក្រោយជាឥទ្ធិពលទៅខាងមុខយ៉ាងណាប្រសិនបើសមរភូមិក្រោយរឹងមាំប្រជាជនភ្ញាក់រលឹកខ្ពស់នឹងនរ ឃ្លៀវខ្លាសាមគ្គីគ្នាកំតិចគិញទាំងអស់នោះនិងជំរុញសមរតីនិងជំរុញស្មារតីសមរភូមិមុខឲ្យកាន់តែអង់អាចក្លាហានសកម្មប្រយុទ្ធផ្ទុយទៅវិញបើខាងក្រោយរពើតរពើង ចារកម្មស៊ីរុងគិញធ្វើសកម្មភាពពីពេញតាមចិត្តនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់ខាងមុខខ្លាំងកម្មាភិបាលនិងយុតិជនគិតរវល់មកខាងក្រោយនាំឲ្យស្ទះវាយសម្រុកត្រូវបន្តិចបង្អាក់ បាននេះជាខ្លឹមសារដែលខ្ញុំសង្កត់ដកស្រង់ចំពោះចំណងជើងទូច
ខ្ញុំបានអានជូនបាញ់មិញនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់បន្តទៀតចំពោះឯកសារដែលមានលេខដដែលនេះបាទដែលមានចំណងជើង 3.4 ខ្មាំង EON EON ជាភាសាបារាំងសូនសូនចិតសពីរហាសិបមួយចិតសិបប្រាំមួយចិតសិបប្រាំពីរ EON ជាភាសាខ្មែរសូនសូនសែសិបបួនម្ភៃបីប៉ែតសិបបីបាទចំពោះខ្លឹមសារលម្អិតនៃចំណងជើងខ្មាំងវាយយើងពីក្រោយខ្ញុំសូមដកស្រង់ទាំងស្រុងនេះតទៅវាខំបញ្ចូលសន្តិសម្ព័ន្ធបញ្ចូលគិញម្ដងមួយម្ដងពីរវាមិនបញ្ចូលមួយព្រឹបមួយពាន់អ្នកទេ វាបញ្ចូលតាមក្រឹតក្រមពីតិចទៅច្រើនដល់ពេលណាមួយវាពង្រីកគ្នាវាបានច្រើនចាត់តាំងគ្នាវាបានជាខ្សែសង្វាក់នោះនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងបាទនេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់ខ្ញុំបានដកស្រង់ទាំងស្រុងពី ចំណងជើងទូចខ្មាំងវាយយើងពីក្រោយលោកធានសូមជើញខ្ញុំសូមលោកសាភរិយអញ្ញាមេត្តាបញ្ជាក់ថាតើអត្ថបទលោកអានអំមិញនេះអានទាំងអស់ឬក៏អានរំលងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលោកធានជម្រាបលោកមេធាវីការពារក្រុមលោកខៀវសំផន ខ្ញុំបានអានខ្លឹមសារចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងទំព័រនៃលេខ EON ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញលេខជូនលោកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារមានពេលវេលាមិនមានអំណោយផលពេលវេលាមិនមានច្រើនខ្ញុំសូមអានតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗដែលខ្ញុំយល់ថាមានសារសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងប្រធានបទនៅក្នុងសំណាក់ការនេះពេលនេះហើយចំពោះខ្លឹមសារលម្អិតសូមអញ្ជើញលោកមើលនៅក្នុង EON ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនរួចហើយជាភាសាបារាំងអង់គ្លេសមានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអានតែចំណុចណាដែលសំខាន់ៗតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណ អញ្ជើញបន្តសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តខ្ញុំសូមបន្តទៅចំណងជើងទូចនៃឯកសារដដែលរបស់ខ្ញុំដែលចំណងជើងទូចនេះតាក់ទិនទៅនឹងចំណងជើងមួយដែលនិយាយថាខ្មាំងបញ្ចូលកម្មង់ដូបាទខ្មាំងបញ្ចូលកម្មង់ដូ ជាឯកសារមួយដែលមានសារសំខាន់នៅក្នុងទីនេះដែរខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្លឹមសារទាំងស្រង់ខ្មាំងចាត់តាំងកម្មង់ដូឬកងឆ្លោបវា30នាក់50នាក់ឬ100នាក់មានគិញងមុខដើម្បីលួចចូលមកតំបន់រំដោះដណ្ដើមប្រជាជន តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1972បមានវិធានការទី1វាយសម្រុកខាងមុខឲ្យខ្លាំងទី2ពង្រីកសំណាញ់ឆ្លបនៅសមរភូមិក្រោយទី3ក្តាប់ប្រជាជនក្តាប់សហករណ៍ ក្តាប់រដ្ឋអំណាចឲ្យណែនដើម្បីមិនឲ្យខ្មាំងចូលចុះបើវាចូលគឺត្រូវកំទេចបាទនេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់ខ្ញុំបាទដល់ស្រង់ទាំងសងចំពោះចំណុចចំណងជើងទូចទី 5 គឺខ្មាំងបញ្ចូលកម្មង់ដូខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីបញ្ជាក់ជូននៅចំណងជើង
ចំណងជើងខ្មាំងវាយយើងពីក្រោយបន្តិចត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមានសរំខាន់ដែរគឺខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្លឹមសារបន្តិចបាទផ្ទុយទៅវិញបើមានមួយយើងកំតិចមួយបើមានមួយយើងកំតិចមកទៀតយើងកំតិចទៀតមួយរយៈកាលវាត្រូវតែវិល ដូច្នេះហើយបានជាបកកាត់ឬវាដោយផ្ដាច់មិនឲ្យមានឈ្មោះមិនឲ្យនាយទុនធ្វើចំនួនបាទនេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនលោកប្រធានអំពីខ្លឹមសារខ្មាំងបាយយើងពីក្រោយជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបាទនេះជាសរុបខណ្ឌដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជាបន្តសំបន្តទៀតតទៅទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនលោកប្រធាន គឺដកស្រង់នៅចំណុចទី 4 បាទទី 4 ក្នុងកថាខណ្ឌដែលខ្ញុំបង្ហាញជូននេះគឺសូមឲ្យអរលោកប្រធានសូមលោកស្រីមេត្តាតាមដានទៅឯកសារដែលខ្ញុំបង្ហាញជូននៅលេខអនអំបញ្ញមិញនេះបាទ ខ្ញុំ សូម ឈាន ចូល ទៅ លេខ EN មួយ ទៀត ដែល ជា លេខ EN នៅ ក្នុង ឯកសារ ដដែល គឺ ជា ភាសា បារាំង 00725177 EN ជា ភាសា អង់គ្លេស 00699321 EN ជា ភាសា ខ្មែរ 00442384 ចំណុចនេះ គឺ មាន ចំណង ជើង លេខ ចំណង ជើង ទួច គឺ 3.6 ដែល ចំណង ជើង មាន ខ្លឹមសារ ថា ខ្មាំង ធ្វើ សន្តិភាវនីយកម្ម ជា ទូទៅ ខ្មាំង ធ្វើ សន្តិភាវនីយកម្ម ជា ទូទៅ ដើម្បី វាយ យើង ជា យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បី វាយ យើង យុទ្ធសាស្ត្រ បាទ ខ្ញុំ សូម ដកស្រង់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងបកលើកវិធានការទប់ទល់វាវិញគឺ1ក្តាប់ពាណិជ្ជកម្មទី2រំលំរបបម្ចាស់ដីទី3ពង្រឹងផ្ទៃក្នុងក្តាប់ប្រជាជនក្តាប់សហករណ៍កសាង ឲ្យទៅជាកំពែងរឹងមាំកុំឲ្យខ្មាំងចូលបានកុំឲ្យវាចូលប្រឡុកយើងពីក្នុងបានបាទនេះគឺជាការដកស្រង់ទាំងស្រុងលោកលោកស្រីចក្រមជាទីគោរពដូច្នេះគេបានឃើញហើយថាចំពោះទស្សនៈស្ដីពីសត្រូវ គឺវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការតស៊ូបណ្ណៈហើយឯកសារដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងនេះគឺបង្ហាញអំពីចេតនាបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់បកត្រូវរបស់បកតទៅនឹងបញ្ហានៃអង្គហេតុដែលបានកើតឡើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅទៀតលោកប្រធានដកស្រង់នៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងចេញពីអត្ថបទដែលខ្ញុំត្រៀមបង្ហាញជូននេះ ខ្ញុំសូមឲ្យលោកលោកស្រីមេត្តាតាមដានលេខ EON ជាបន្ត EON ជាភាសាបារាំង 00725178 EON ជាភាសាអង់គ្លេស 00699322 EON ជាភាសាខ្មែរ 00442385 បាទនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះនៃ EON នេះគឺខ្ញុំសូមដកស្រង់ចំណុចទូច 1 ដែលមានខ្លឹមសារថាខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងការតស៊ូវណ្ណៈជាមួយខ្មាំងគឺជាការតស៊ូស្លាប់រស់បាទនេះគឺជាខ្លឹមសារដើមតទៅនឹងបញ្ហាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការបង្ហាញជូនឯកសារដែលតទៅនឹង
ខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្លឹមសារដើមចំពោះចំណុច
បន្តនេះបន្តតបនេះមានដូចតទៅឥទ្ធិពលចង្រៃនៃវណ្ណៈជីជន់ជាសក្តិភូមិនៃទុនប្រទេសកិរិយាក៏នៅជះមកលើយើងធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទោះបីយើងបានវាយរំលំរដ្ឋអំណាចវាហើយក៏ដោយ គឺឥទ្ធិពលខាងមនោគមវិជ្ជាខាងនយោបាយហើយជាពិសេសខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពស្ត្រីឃើញពឹសពលដល់អាស្រូវរបស់វានិងឃើញលទ្ធភាពដល់លឿនលុបរបស់យើងក្នុងការវាយវា ហើយត្រូវដាច់ខាតវាយវាឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមមាគីរបស់បកវាយក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះបកនិងប្រជាជននិងវាយក្នុងស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នបដិវត្តន៍ខ្ពស់បាទនេះគឺជាខំសាររបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ការដកស្រង់នៅក្នុង ឯកសារអ៊ីអនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបាញ់មិញនេះលោកសិស្សចក្រមជាទីគោរពខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនតេតើនឹងបញ្ហាចំណុចសំខាន់ៗដែលមានជាបន្តទៅទៀតនេះប្រសិនបើលោកប្រធានអនុញ្ញាតឯកសារទៅពេលវេលាដល់ហើយបើសិនលោកប្រធានអនុញ្ញាតឬក៏លោកប្រធានអនុញ្ញាតខ្ញុំនៅពេលល្ងាចនេះបាទសូមអង្គការអនុញ្ញាតបាទបាទឥឡូវនឹង នៅឯកសារជាច្រើនត្រូវធ្វើការដាក់បង្ហាញជាពុះមុខអង្គជំរះហើយពេលវេលាសមល្មមនឹងសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសូមអញ្ជើញលោកមេធាវី Thank you, Mr. President. My client would like to ask permission to follow the remainder of the procedure downstairs from the holding cell. I don't think there's any problem, as indicated. My client will respond to all the documents presented today and tomorrow on Wednesday. And he will follow the proceedings downstairs. I have the appropriate waiver here. If required. ទៅបន្តតាមដានសកម្មភាពនេះនៅបន្ទប់ខាងក្រោមសូមអរគុណ បានស្ដាប់ដំណើរសុំរបស់ជនជាតិរបស់ជនជាប់ចោតនួនជារបស់បានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពីក្រីរបស់គាត់ស្នើសុំមិនចូលរួមតាមដានក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះដោយសុំទៅតាមដានបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាព ពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសតួនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះយល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់លោកជួនរៀបចំនួនជាដែលបានស្នើសុំតាមរយៈវិទ្យាបកគាត់សូមលះបងសិទ្ធក្នុងការចូលរួមកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយនៅសកម្មភាពផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះដោយទៅបន្តការតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយ ពីបន្ទប់សកម្មភាពនៅខាងក្រោមបន្ទប់នៅខាងក្រោមបន្ទប់សកម្មភាពនេះតាមរយៈឧបករណ៍សតួក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់រសៀលនេះអង្គជំរះតម្រូវឲ្យមេធាវីការពារក្តីនួនជាប្រគល់មកឲ្យជំរះនៅភ្លាមៗនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដោយចុះហត្ថលេខាឬស្នាមរៀបដៃជាក់ច្បាស់ពីជនជាប់ចោតនួនជាហើយបង្កប់ឲ្យផ្នែកសតួ ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសតួសម្លេងរូបភាពសម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយនៅក្នុងអំឡុងពេលសកម្មភាពរសៀលនេះបង្កប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមហើយនៅរសៀលនេះសូមបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនតែជនជាប់ចោតខៀវសំផនឡើងមកកាន់សាលសកម្មភាពឯលោកនួនជា ទុកនៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យគាត់បន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយនៅក្នុងបន្ទប់ដែលខាងរដ្ឋបាលបានរៀបចំសម្រាប់គាត់រួចហើយសម្រាប់ចុះសូមក្រោកឈរ